précédemment dans Dark Death. N'hésitez pas à venir me trouver en cas de problème. Voici mon adresse et mon numéro de téléphone. J'étais venu passer 10 jours ici, avec 9 amis, et ils sont tous morts. Un par jour. Mais j'ai retrouvé le corps que de cette personne. C'est la boîte à musique ! Si vous voulez être libre, vous devez tuer toutes les personnes qui entreront dans cette maison. Sinon, ce lieu sera votre tombeau. Vous avez quand même réussi à vous échapper et je vous félicite. Mais une autre épreuve vous attend. Alors va sauver Stéphanie ! La peau, elle doit être morte alors qu'il est. Eliana ? Oui ? Mais t'es pas morte ? Je voudrais aussi s'en essorcher. Mais je dois dire que c'est grâce à Eline. Eline ? C'est ma sœur. J'espère que tu sauras sauver mon frère. T'es en train de basculer du côté obscur. Mon rôle n'est pas de tuer des gens. J'ai juste été engagé pour leur faire peur. Tout marche comme prévu pour l'instant. Il faut simplement les mener sur les mauvaises pistes. Bon, on va quand même pas retourner dans la maison, si ? Non, c'est trop risqué. Viens, on retourne près de la rivière. D'accord. Et on va dormir aussi un peu. Je suis crevée. Oui, moi aussi. Mais avant, je vais laver mon visage, parce qu'avec tout le sang, c'est dégueu. Bon, demain je vais voir les flics pour leur dire ce qui se passe. Enfin, c'est bizarre quand même toute cette histoire. Pourquoi personne n'est encore jamais intervenu? À moins qu'Alex ait des flics comme alliés. Enfin, c'est bizarre tout ça. Je verrai bien demain. Clara ? T'es où ? T'es où ? Clara ? Mais que me voulez-vous ? Pourquoi vous m'avez enlevé ? Je m'appelle Thomas, et je t'ai sauvé la vie. Merci, mais... L'homme avec qui tu étais, Kyle, il est recherché pour avoir tué 9 de ses amis. Personne n'ose l'approcher, mais je sais que c'est lui. N'importe quoi, il a rien fait, lui ! C'est Alex ! Tiens, regarde le journal. Il a tué des gens. C'est bien lui, oui, mais... Mais comment se fait-il que... C'est un tueur ? Oui. Il allait sans doute te tuer, si je te laissais entre ses mains. Kyle, je ne pensais pas capable de ça. Quand le tueur nous a donné la mission à réaliser, il avait l'air choqué et tout, qu'on soit obligé de tuer des gens. Il l'a fait pour pas que tu découvres sa véritable identité. C'est l'un des tueurs les plus redoutés sur Terre. Mais il ne le sait pas vraiment. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est schizophrène. Oh mon Dieu! Mais alors, pourquoi il n'y est pas resté? Il est évadé de l'hôpital, et il est recherché. Mais vu comment sont les flics de Twinbrook, il peut rester libre encore longtemps. Oh d'accord. Et donc, pourquoi je suis là? Ton amie, que t'as abandonnée dans la maison, on l'a retrouvée. Elle a réussi à s'échapper hier, parce que soi-disant, le tueur était parti. Mais je pensais qu'elle était morte. Non, elle est toujours en vie, ne t'inquiète pas. Comment vous en savez autant? Eh bien... Comment vous saviez que j'étais venue avec une amie dans cette maison? Et si...
Et si c'était lui? Vite, je me casse. Non, reviens ici, Clara. Clara! Mais elle est où, bon sang? Elle a disparu? Clara! Où es-tu? Bon, j'abandonne. Je la chercherai plus tard. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Mais pourquoi j'ai du sang sur les mains? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh mon Dieu, Clara! Kyle, tu n'es pas un tueur, je le sais. En es-tu sûr? Kyle, mais c'est moi, Clara. Ah! Kyle, pourquoi c'est toi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle est morte, Clara. Pourquoi tu as voulu me tuer? Ce n'était pas moi. Jamais je te ferai du mal. Si, tu m'as poignardé. C'est ton alter ego. Tu dois lui apprendre à ne pas me faire de mal. Oui. Par contre, j'ai rêvé que je te tuais, mais pas ici. Il n'aurait pas quelque chose pour me soigner? Ou sinon, emmène-moi aux urgences. Enfin, fais quelque chose parce que j'ai vraiment mal. Et je vais mourir si je suis pas soignée rapidement. Oui. J'ai toujours une petite trousse de secours sur moi au cas où il y aura un problème. Par contre... tu pourrais retirer ta robe? Ok, sauve-moi, je t'en prie. Alors Alexou, t'as des nouvelles de... Arrête de m'appeler comme ça, ça me met de mauvaise humeur. Désolé, mais t'as des nouvelles de Clara et Kyle? Oui, Clara a été enlevée dernièrement. Quoi? Et on doit la retrouver! C'est elle! Mais qu'est-ce qu'il mijote, cela? Ils sont pas retournés dans la maison? Non, on doit les retrouver. Je dois trouver leur secret à eux. Ils cachent quelque chose. Mais moi, je dois tuer Kyle. C'est le dernier. Ça l'a rendu fou, tout ça. Alex, une ombre là-bas! Merde, ils m'ont vu! Rattrapez-le! Moi, je vais faire une course. Bah, je suis tout seul alors, super. Oui, moi je suis une fille, je cours pas. Par contre, le mec va s'éloigner si tu restes là. Oui, vas-y avant qu'il ne soit trop tard, parce que moi je dois faire quelque chose d'urgent. Merde, il est passé où ce con? Voilà, c'est fini. Ça va aller? Tu vas pouvoir marcher? Non, je préfère rester là pour le moment. Je vais chercher des vêtements de rechange. Merci.
Elle était si belle, si douce, si... Non, je ne peux pas penser à ça. Je la connais à peine. Oh, salut, Andrew. Bon, Stéphanie s'est échappée. Pas grave, c'est pas notre priorité. On doit à tout prix retrouver Clara. Et pas Kyle ? Il est dangereux, lui. Ouais, c'est une menace. En tout cas, tu as fait du bon boulot, Andrew. Merci, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit de faire. Bon, par contre, j'aurais encore besoin de toi, probablement. Ouais, ne t'inquiète pas, on reste en contact. D'accord, à bientôt. Bon, je vais essayer de la retrouver. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Clara ?